Salut les mecs, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour la deuxième partie de la vidéo. On va faire le kit 50 vs le kit origine. C'est un truc du Berit ça, qu'est-ce que... Regardez les mecs, insultez-le. Regardez, il roule pas équipé du tout. Bah moi non plus en fait. Heureusement qu'il a caché, heureusement. Prenez pas ma plaque hein. Et ça qui ça? Ah merde. Ah j'ai peut-être oublié mes gants. Bah ouais, qu'est-ce que tu crois, il fait moins 40. Là les mecs, mettez 5000 pouces bleus et on fait le test de Sabek. Il a l'échauffé, mais moi je vais vous dire la technique pour gagner des runs, c'est d'y aller YOLO, franco, être tout défoncé. Moi j'ai pas besoin de faire chauffer la bécane, qu'est-ce que tu crois? Pas besoin de faire chauffer la mécanique moi. Hop, on fait un peu de cross en même temps. Oulala, ça va glissette. Et moi je me suis arrêté dans la côte. Donc là les mecs, on va commencer par un petit run. Tranquillou pilou, il y a toute la terre qui sort. Il y a un arbre. On va faire là, on va faire là. Petite manœuvre, on va essayer de pas finir dans le ravin. Tu fais le klaxon. Je l'ai foiré. J'ai foiré mon départ, non. On va le faire de l'autre sens. Putain, non. J'ai foiré mon départ. Vas-y. Il y a un malade, il y a le virage lui. Alors, t'as vu la fusée? Bon bah, un partout, égalité. T'as vu comment elle part? Ouais. Attends, bah de toute façon là on va faire la route du retour, donc on va rouler. Bah on va au bout là-bas et on revient après. Attends, on va en faire un là. Ah, celui-là j'ai fait le raté hein. Mais vous avez vu, faire attention ici, il y a des petits virages. Bon, en vrai les mecs, sur le départ arrêté là j'ai de la puissance là, il y a du couple, ça part. On lui a mis 2-1. Allez là on va faire quand on est genre à 30 km/h. Eh, ce qu'on va faire c'est qu'en repartant là-bas, sur la ligne droite on va se mettre genre à 30 et on mettra plein gaz. Bah on verra. Tu vas me fumer. On va se mettre à 30 environ et on va accélérer. Sur la ligne droite là-bas. Vas-y. Bon là pour l'instant on triomphe sur le départ arrêté. On a gagné le départ arrêté. Qu'est-ce que vous allez acheter à la fin de la vidéo? Un kit 50 ou une origine? Vous avez vu que c'est pas mal l'origine? Oh là là, j'espère qu'il y a des freins. Oh, j'ai eu peur pour lui. Donc là sur le retour les mecs, ce qu'on va faire c'est qu'on va essayer de se mettre genre à 30, 50, 50 km/h et hop. Ouais. Attends. Ouais, attends. Attends hein.
Après, pour que ça marche bien, un kit, il faut bien le régler. Faut le régler au poil de couille, c'est trop compliqué. Et là, il y a moi qui me repasse devant. Ah non, c'est le 80. Mais lui, il a une fusée, c'est pas drôle. Mais je pense qu'en pointe, il prend plus de pointe que moi, c'est logique. Démarrage, j'ai plus de couple et plus de Newton. C'est un malade. C'est un ouf. Non, en vrai, je sais pas combien ça coûte un kit 50, je crois que c'est une soixantaine d'euros, donc si jamais il y a plus de pointe, ouais, pourquoi pas en mettre, hein. Mais après, ce qui est chiant, c'est que je sais pas si ça se voit quand on installe un kit 50. Ouais, si, ça se voit forcément. Ouais, l'Arziz. Donc après, avec la police, c'est peut-être un peu plus chaud que moi, genre vraiment, c'est origine. Il y a rien qui a été changé, il y a une ligne, ma foi. Et vous savez que la ligne que j'ai achetée quand on l'avait pas débridée, elle était moins puissante que la ligne d'origine, un quart débridée. Ah, regardez, c'est une avenue de maison de riche, ça. C'est nouveau riche de... C'est Nino, ça? Non, c'est Leto, je crois. Leto, Neto... Tu fais quoi, il nage? Ah ouais, regardez, ici, ouah, quand t'arrives vite, tu peux décoller, mon copain. Regardez, c'est un truc abandonné, tout ça. Ouah, il y a déjà une vidéo où je suis passé, j'ai fait la remarque. Truc de ouf. Tu restaures ça, t'as vraiment un truc de ouf. Putain, bah la boulangerie, à cette heure-là, y'a plus rien. Bah ouais. Bah après vous pouvez prendre un kit, vous allez aller aussi vite, hein. Après je sais pas au niveau de la consommation et tout, ce que ça fait d'avoir un kit. Est-ce que ça change vraiment d'avoir un origine? En fait, le truc c'est de savoir si ça vaut le coup de mettre un kit 50, je parle. Après oui, tu passes direct sur un kit 70, ça aura rien à voir. Rien à voir. Bon après moi j'aime bien ma moto, j'irai pas lui mettre un kit 50, je trouve ça n'a pas vraiment l'utilité. Pour vraiment que ça marche, c'est un 80 ou un truc comme ça, tu vois, un vrai truc. Waouh! C'est pas moche! C'est nerf 8! Elle est belle, hein. Ceux qui ont des kits 50, les mecs, n'hésitez pas à me dire ce que vous faites avec vos potes qui sont en origine, si vous les tracez, si vous les distancez, si vous êtes au coude à coude. Dans quel domaine ça se joue? Dans quel domaine ça se tente? Moi, je pense qu'il n'y a rien à dire, les frères. Ça y est. Origine vie. Bah alors? Ah ouais, lui, il colle au cul, c'est un truc de ouf. C'est un malade. Après, je sais pas ce qui est le plus fiable. Je pense qu'un origine c'est plus fiable qu'un kit 50, je sais pas. Bah, si, je pense. Putain, si ça freine et qu'il voit pas, c'est un ouf. I'm just fucking lit, man. I'm just fucking lit. Drink a bottle of this shit, man. Bottle of this shit. I'm about to write a hit, man. About to write a hit. No, I'm never gonna quit, man.